Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Pokémon5 et aujourd'hui on se retrouve pour le 155e Poké News consacré aujourd'hui à Minecraft avec l'1.13 Minecraft Bedrock, console et il me semble c'est tout. Alors le mashup de la mythologie égyptienne a été rajouté au jeu, il est assez beau, j'ai pu le tester un petit peu, il est vraiment pas mal. L'1.13 sort en pré-release avec le nouveau fond d'écran, les trois nouvelles musiques. Les trucs ont changé, les bugs, mais ça vous le savez sûrement déjà. Le Minecraft Creator Summit où il y a eu plusieurs youtubeurs, mapmakers, streamers, modders, etc. qui ont allé chez du côté français, il y a eu Fuse3, Aurélien Sama et Hypierre qui y sont y allés. Je suppose que vous avez déjà sûrement dû regarder leurs vidéos sur Insta ou même sur YouTube. Grum est à l'écoute des joueurs, du coup c'est pour ça que cette texture, franchement, personnellement, qui l'aime cette texture? Je la trouve personnellement dégueulasse. C'est pas qu'elle est moche, mais pour un arbre, et c'est moche. Vraiment, sur un autre bloc, à la limite, cette texture forme un peu mosaïque. Sur un autre bloc, pourquoi pas, mais là, sur un arbre, non, vraiment. La packet ice peut être désormais craftable à l'aide de glace. Voilà un petit truc fort sympathique. Ah, ça rajoute quelques petites nouveautés, mais sympa quand même. Un nouveau développeur a rejoint Minecraft, Rock'n'Roll for Life. Et du coup, c'est tout. Je sais pas pourquoi je le truquais. Des nouveaux packs de skins pour la 1.13 qui vont sortir avec des tortues, des dauphins, etc. Voilà, avant-dernière news. Du jour, Minecraft Bedrock 1.6.0.1 où les blocs invisibles et les fantômes ont été rajoutés avec quelques petites commandes, etc. comme d'habitude. Et la dernière news du jour, il s'agit eh bien des Secors Up qui ont enfin changé. Et également du Striped Oak, le bois stripé, qui maintenant peut avoir aussi 4 faces très très jolies. La packet ice qui est craftable, toujours l'histoire des couleurs, quelques bugs corrigés, etc. etc. Du coup, j'espère que ce Poké News au sujet de Minecraft vous aura plu. On se retrouve donc, j'espère, très bientôt pour de prochaines aventures. C'était Pokémon5 et je vous dis enjoy!